Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? C'est The Wheel et aujourd'hui, comme promis, je vous rediffuse une petite partie de l'Open Lobby que j'avais fait sur Wii. Alors, c'est une partie que j'ai choisie, j'avais quelques clips où seuls les meilleurs, entre guillemets, étaient restés, puisque pas mal de gens avaient quitté. On n'était plus que 4 et je me suis frotté à des joueurs vraiment, vraiment balèzes finalement. Je tiens à préciser que je joue full Wiimote, hein, que ce soit au pointeur du viseur hein, ou bien vraiment au, dans la lunette. Donc c'est une partie full sniper. J'ai pas pu rediffuser le live hein, parce que tout simplement je pouvais pas jouer pendant le live. J'ai très vite arrêté parce que j'avais une barre sur Call of Duty. Donc vous savez qu'une barre dans Call of Duty Modern Warfare 3 ça veut dire un temps de latence de 2 secondes, c'est impossible de jouer. J'ai donc très vite arrêté, je pense pas pouvoir refaire des lives finalement. Enfin du moins pas chez moi. Donc cette partie full sniper, je vais un peu déjà m'attarder sur ma classe. Alors j'ai pris un MSR doré déjà, classique. Quitte à être en partie privée, autant en profiter hein, même si la couleur dorée mais finalement pas un super bien rendu, surtout sur Wii. Vous allez voir que je vais quand même avoir pas mal de chance finalement. La partie va pas être super, du moins pour moi. Je tiens à féliciter Torao qui a gagné la plupart des parties. Donc là vous voyez que je joue vraiment en full mode, je joue pas au joystick hein, quand je suis à l'intérieur du sniper hein. Et donc, malgré le fait qu'il va y avoir un lag à la fin, vous allez voir que la partie va s'arrêter en plein milieu. J'avais quand même envie de sélectionner ce clip parce que il y a quand même un moment où je vais avoir un sacré bol, vous allez voir. Je vais enchaîner mais un maximum de no-scope, enfin vous allez bien voir. Et au bout d'un moment je vais même essayer à la fin, je me disais sur Skype je vais en enchaîner un maximum. Mais je n'ai réussi à enchaîner quelques-uns. J'aurais pas eu le temps d'avoir un bonus de serre d'élimination, quand bien même c'est pas grave. Donc dans la partie il y a DazGamer, Torao et un autre que j'ai oublié. Alors je vais regarder l'équipe, non personne, je sais pas. Bon j'ai oublié, vous verrez bien de toute façon. Je mettrai dans la description, hein, vous verrez aussi sur leur chaîne, hein, à Pharaon, voilà, à Pharaon, qui s'est amusé à caser un maximum de lancers de couteau. Alors, dans cette partie, on s'est dit qu'on allait faire un maximum de quickscope, flashscope, peut-être pas non plus. Je vais vraiment pas casser beaucoup de hardscope, comme on dit, hein, je suis pas forcément très habile avec ces mots. Et pas mal aussi de scope. Alors là, vous avez entendu qu'il a essayé de me tuer avec le lancer de couteau et finalement il s'est fait avoir par derrière justement par DazGamer il me semble. DazGamer qui m'a tué à maintes et maintes reprises et qui souvent m'a piqué mes kills. Alors bravo à toi quand même hein, parce que tu m'as aussi souvent sauvé malgré le fait qu'on est en mêlée générale hein, autant que je le précise. Donc je joue à la lunette de visée thermique tout simplement parce que c'est beaucoup plus évident de remarquer ses ennemis, surtout sur Wii hein, comme je le dis hein, parce que les couleurs sont pas forcément beaucoup plus différenciées. Donc quand on voit du blanc vraiment c'est beaucoup plus facile. Et là j'ai beaucoup de mal pour ce kill. J'ai fait au moins deux tirs à côté là, à pleine tête quand même. D'ailleurs j'ai remarqué que plein de tirs passaient à côté hein, alors que j'avais pourtant 4 barres hein. Là vous avez vu d'ailleurs que j'ai tiré sur le mec qui est au fond hein. D'ailleurs je me suis fait submerger là. Et le tir est pas du tout rentré alors que juste avant j'avais tiré à côté et j'ai fait un tir dans la tête au mec qui était allongé. Oui j'ai pas récupéré les noms, excusez-moi. Donc oui, après le gameplay en lui-même est plutôt plus rigolo qu'autre chose hein, j'ai pas fait une super partie. Je vais commencer vraiment tout dernier avec un ratio vraiment nul. Et je vais me rattraper au bout d'un moment, je vais commencer à enchaîner les noscopes pour le fun. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça rentrait, j'étais même pas en visée solide alors j'ai vraiment eu beaucoup de chance. On va perdre ce combat. Pour ce qui est des... parce que je vous avais promis une vidéo en sniper full Wiimote hein. D'ailleurs autant en viseur qu'en visée sans le viseur. Là je me suis chié un kill mais totalement merdique. Et j'ai commencé à faire un noscope. Donc je cours, je suis en train en deuxième. Qu'il essaye de me tuer avec son lancer de couteau. Qui loupe, j'en rentre en deuxième. J'essaie de faire le tour de la map histoire de pas me faire courser par quelqu'un qui me tirait dessus. Vous voyez les points rouges parce qu'on avait activé le radar. Et à ce que je vois, et il m'avait pas remarqué. Et là hop, hit marker alors qu'on avait pourtant mis les dégâts au minimum. C'est tout simplement parce que j'avais tiré à travers le tank, mon trépied pour moi. Et je me suis trompé, c'est pas à ce moment là d'ailleurs que j'ai fait une série d'éliminations en noscope. Bon j'en aurais quand même rentré deux, mais vous verrez que la plupart des kills auront été ainsi. De toute façon sur une aussi petite map que ça, jouer en flashscope, déjà en flashscope en Wiimote c'est vachement difficile. Alors pour ce qui est du flashscope sur une petite map comme celle-ci c'est vraiment difficile.
Et là, pendant 3 ans, je demandais sur Skype, est-ce qu'on peut cuter? Est-ce qu'on peut cuter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut cuter? Et bien non, on n'avait pas le droit, donc j'ai dû tirer vraiment à l'arrache, hein, dans le vide, hein, avec le scope. Alors, vraiment, honnêtement, je les souligne quand j'en fais, parce qu'ils sont tellement rares que... Et là il va me tirer à travers, je vais pas vraiment comprendre. Ah, il me tire à travers, j'ai vraiment pas compris sur ce coup là. Donc je remercie vraiment tous ceux qui sont venus à l'Open Lobby. Donc j'en cite quelques-uns. Torao, Death Gamer, Hacker Nestertini, Kedjoul, et j'en passe. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui était une vidéo annonce, mes prochaines Open Lobby se feront directement à partir du forum du site dès que j'aurai reconstruit. Donc je vous mettrai un sujet dessus, hein, vous aurez qu'à le squatter de temps en temps. Vous aurez qu'à laisser un petit message disant je participe avec vos coordonnées. Et on fera ainsi, hein, ce sera beaucoup plus facile d'organiser parce que là je suis sûr que j'en ai loupé quelques-uns. Donc faut savoir que là on était 4, hein, parce que c'était peut-être une heure après le début de l'Open Lobby. Mais au début on était quand même surpeuplé, hein, je sais même pas si on est tous rentrés. Et ça donnait des mêlées générales à 10 joueurs, donc totalement injouable. Je dois quand même... le dire, donc on se faisait flash, enfin on se faisait spawn killer, enfin c'était n'importe quoi, mais c'était marrant tout de même, surtout que je laguais à mort à cause du live, donc je pense pas en refaire du live, du moins sur un jeu online, puis en plus de toute façon la qualité est pas toujours la meilleure. Alors cela dit, je compte quand même refaire des lives dans lesquels j'enregistrerai comme ici. Ah, voilà, je vais enfin commencer ma série de kills en no scope. Alors un premier, je cours, alors je sais pas si c'est de me quickscoper ou quoi que ce soit, j'entends un lancer de couteau. Et hop, voilà, c'était pas sur moi, j'ai eu de la chance. Un deuxième, enfin un troisième et un quatrième. Et je crois que je vais faire tuer par lui-même, Dasgamer, qui va réapparaître à cause de son insertion de tactique que j'avais pas spotted sur le coup. Et ben non, on voyait son canon réapparaître, mais je me suis fait tuer par derrière par Afaron. D'ailleurs, Afaron qui est souvent fini premier aussi dans les parties. Alors, pour beaucoup d'entre eux, c'était souvent des prestiges quelque chose. Faut savoir que moi je suis niveau 40, hein, je joue pas énormément en Call of Duty. Honnêtement, je pensais pas avoir un si mauvais niveau que ça. Mais je me suis vraiment frotté à des gens qui étaient plutôt pas mal en fait. Et puis ça prouve aussi que sur Wii, il y a vraiment pas que des mauvais joueurs. Surtout que la moyenne d'âge, bon, j'ai eu forcément du 13 ans, j'ai eu du 14 ans, mais j'ai eu du plus, hein, je crois que ça allait jusqu'à 18 ans. Et encore, si j'avais pu faire un truc plus grand, je pense que j'aurais eu plus de chance. Donc pour les prochaines open lobby, pardon, je pense que je vous conseillerais quand même de vous abonner si vous avez envie de suivre la vidéo. Et si vous avez aussi envie de prendre votre propre vidéo que je mettrai à gauche de l'écran. Là on s'est très très mal organisé. Enfin je me suis très mal organisé, mais à coup pas. Donc voilà, j'ai un peu réussi à rattraper mon ratio. J'ai eu beaucoup de chance. Mais malgré tout, bon, j'étais quand même dernier. Je publie quand même le clip honnêtement parce que j'ai promis que je le ferai. Et puis honnêtement, les autres, si c'est pour vous fournir un énième gameplay au Scarash, hein, parce que je joue quasiment full Scarash, c'est vraiment pas la peine. Alors, quitte à vous fournir un gameplay full sniper, et voilà, je vois que ça lag et je me dis, oh putain de merde. En plus, sur Skype, ça buguait pas, c'était vraiment juste le jeu. Alors, je vais mettre ça sur le compte de l'autre, hein, quitte à mentir, voilà. Donc, c'est pas grave. J'ai quand même passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi, je m'adresse à tous ceux qui ont participé à l'Open Lobby, vous serez bien amusés. Sachez que j'en referai d'autres, alors n'hésitez pas à participer, hein, d'une façon ou d'une autre. Et je vous dis au revoir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Facebook, sur Twitter pour ceux qui en ont un. Et sur le site prochainement dès qu'il sera en ligne, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai quelques problèmes. Je vous dis au revoir, ciao ciao.